Et pour vous, c'est l'homme dont vous avez toujours rêvé. Parce que c'est quand même j'étais à fond. Dans une petite fille, qui est une petite fille de 17 ans. Et pour moi, il a été un ami, un frère, un papa. Et ce jour si précis, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez imaginé dans votre temps d'enfance? Parce qu'on sait que généralement chaque femme rêve d'un mariage. Est-ce que c'est de cette manière que vous avez pensé à ce jour si? Son petit défaut. Il est impulsif. Mais en même temps, on fait toujours pas ça. Parce qu'il a sa façon de me ramener. Ça peut être parfois aussi, c'est souvent difficile, mais il sait vraiment. Ce petit côté-là qui vous a captivé, ce petit côté-là qui vous a fait vous approcher, ce que vous aimez vraiment en lui, c'est quoi? Comme je vous dis, je l'ai connu, j'étais en France et j'ai perdu mes parents aussitôt et j'aimais bien l'école. C'est lui qui m'a envoyé à l'école. Donc, pour moi, vous savez, l'amour qu'un enfant peut avoir envers un père. Donc, non seulement il est mon mari, mais il verra qu'il a devenu mon mari. Ok, merci. Good day. Today you go talk and make everybody know.
famille de l'époux, Monsieur Atanga Abouti Omer. Chef de famille de l'époux, Monsieur Atanga Abouti Omer. Si vous ne m'accueillez pas, je repars. La commune d'arrondissement de Yaoundé 3e par ma voix vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Monsieur Djou Nguela, c'est bien vous? Enlevez le cache, la distance est respectée. Enlevez complètement parce qu'après, il y aura beaucoup de choses. Bon, Mamzelle Tiaoué, bonjour. C'est votre gars? Comment est-ce que je peux dire pour qu'il retrouve le sourire avant de s'y de 6 mois? Vous restez même assis, c'est pas grave. La chose, bisous à la santé. J'ai vu le bisou, mais je ne sais pas pour quoi c'est le bisou. Vous êtes venu faire quoi? Me saluer, me souhaiter les vœux. Qu'est-ce qui vous amène ici? Quand je parle de sacré, je n'étais pas là, mais c'est en parcourant la connaissance du passé basée sur les écrits que j'ai retenu une chose. Avant, il y avait que l'homme masculin, votre semblable, monsieur Djou, l'homme féminin n'existait pas. Le masculin faisait donc tout, mais la difficulté du masculin, c'était celle de ne pouvoir faire l'enfant. Quand on est procréé par l'espèce et appelé à s'éteindre, pour la survie de l'espèce humaine que Dieu a créée, il a donc voulu adjoindre à l'homme masculin, l'homme féminin. Et j'ai choisi Djou parce que c'est le garçon le plus beau, le plus élégant. Si ma mémoire me joue des tours, parce que mon ventre est vide, elle m'a dit, monsieur le maire, j'ai choisi Djou parce que quand je suis assise à côté de lui, mes yeux deviennent bleus. Elle m'a dit, monsieur le maire, j'ai choisi Djou parce que Djou, c'est mon cœur, si on me l'enlève, je vais mourir. Celui de l'homme ou celui de la femme? Bon, je prends donc celui de l'homme, c'est lui qui sonne. Allô? Oui, oui, non, demain, non. Vous n'avez rien entendu? Vous savez ce qu'il y a derrière? Ma jeune soeur, c'est une de vos semblables qui appelle. Le gars a reconnu le numéro, il n'y a pas moyen d'appuyer sur le tactile ou c'est le tacle, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il reconnaît le numéro, il met à l'oreille. L'autre dit allô, il dit allô. Tu es à la maison, oui. Ta femme est là, oui. Tu peux parler, non. On se voit quand demain, je t'aime moi aussi. Prenez le chocolat. Voilà. Vous avez acheté le chocolat pour elle, donnez-lui alors. Elle ne comprend pas grand chose. Suivez le guide. Suivez le guide. Vous savez ce qu'on appelle. Pardon. Vous savez ce qu'on appelle au Cameroun la force de l'expérience. Je vais vous montrer ce que c'est que la force de l'expérience. Quand vous arrivez à la maison, vous distribuez les bonbons et vous cachez ça. Parce que pour elle, ça doit être une surprise. Ma jeune soeur, le monde a changé. La tante d'un jeune homme qui avait 17 prétendantes et demi, c'est pas un vieux cabassé en démembré, en décolleté. Pendant qu'il regarde, il avale la salive, il se dit les choses sont. Vous lui racontez tout. Il suit attentivement. Quand vous avez fini, vous ouvrez. Ouvrez.
casser les deux premiers morceaux. Donnez-lui maintenant. Donnez-lui. Allez la main. Tenez tout du cou à gauche. Tenez la chose. Comment on dit chez nous le goût de ça? On veut faire, donnez-lui tout le reste. Vous comprenez donc que les belles créatures camerounaises adorent le rang social, la puissance financière dans la folle, mais les petits détails, c'est le génie et reste accroché. Quand votre homme arrive, donnez-lui à manger. Prenez la queue et mettez dans sa bouche. Est-ce qu'il y a la honte à ça? S'il y a même l'enfant, l'enfant est content de voir que maman nourrit. Je vous dis, moi qui vous parle, pâté de mon état. Si une petite commet l'erreur de me mettre ça ici, et Dieu, toi-même, tu es là-bas. À 22h, quand vous êtes à deux clous, mon jeune frère débarrassé de cet emballage à froid, il a besoin de la chaleur. Et il m'a dit que c'est vous qui êtes la chaleur, c'est vous qui avez la chaleur, c'est pour ça qu'il est allé là-bas à la manie. Dans les yeux, tout ce que vous avez doit être déposé sur la chaise ou sur la table comme vous voulez. Monsieur Zou, vous allez répondre. Mademoiselle Taoué, vous allez répondre tous à haute et intelligible voix. Monsieur Zou, vous voulez vous prendre pour épouse Mademoiselle Taoué? Oui. Calmez-vous alors pour que je pose la question à notre voix. Vous voulez-vous prendre ta voix pour épouse? Oui, je le veux. Bon, je vais poser la question à Taoué en Ewondo. Mrs. Taoué, do you want to take Mr. Zou as your husband? Yes, I want. Polygamie ou monogamie, qu'est-ce qui vous arrange? Monogamie. Vous répondez, vous êtes marié. Bon, peut-être que je n'ai pas bien posé la question. Polygamie ou monogamie, what do you want? Monogamie. Monogamie. Allez-vous, qu'est-ce qu'on dit? Ce que femme veut, et l'homme le fait. Join our secret cooperative. Bien commun. Ok. Monsieur Zou, prenez l'alliance, prenez le poignet gauche de votre destinée. Prenez l'alliance. Son poignet gauche. Prenez son poignet gauche. Gauche. Non, il ne s'exprime plus en français, c'est seulement en Ewondo. Left hand. Le petit nom d'amour, et vous nous dites pourquoi vous lui mettez la mienne. Calmez-vous si vous le petit nom d'amour. Chérie. Calmez-vous alors, poursuivre. Après tant d'années, tant de raccourcis et de routes très longues, j'ai pris la résolution de m'arrêter et de faire de toi un arrêt définitif.
are my children. Today, I give you this ring as a sign of my love towards you. After a long way, I've made up my mind, and I know you are the right person for me. Yes. Monsieur Jou-Marcel Taoué, en application de l'ordonnance 8102 du 29 juin 1981, qui porte organisation de l'état civil et ses diverses dispositions, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, comme mon estomac s'est vidé, je n'arrive plus à conclure en français ou en anglais, je vais devoir conclure en néo-do, you are married now forever. Monsieur Jou, tous ceux qui vous accompagnent, tant par ma modeste voix, vous souhaitez une chaleureuse bienvenue au club, le club des hommes mariés. Je voudrais vous dire, mon jeune frère, que le monde a changé, que l'époque où l'homme se servait du bâton ou du hachicot pour faire avancer la femme comme une esclave,
de cette époque est morte en ville. Nous vous exhortons à faire prévaloir autant que faire se peut le débat contradictoire. Le débat contradictoire, mon jeune frère, c'est la force des arguments et non la force du biceps sur le coup de poing. Si vos arguments sont battus en brèche par les arguments de votre épouse inclinée, vous n'y a pas de compte à ça. Parce que la bêtise de l'homme masculin, les nous, c'est que nous croyons être omniscients, il n'y a que Dieu pour l'être. Sachant et pouvant compter sur vous, je vais donc vous remettre votre acte en vous souhaitant bon vent et bonne chance. Toutes mes félicitations. C'est le nom que vous portez désormais. Madame Zou, toutes les femmes, malgré le refus d'applaudir pour vous, vous souhaitez une chaleureuse bienvenue. La tâche qui vous attend, malgré ces applaudissements, ne sera pas de tout repos. Le mariage est noble, certes, mais le mariage est compliqué et complexe. Le mariage est comme la médaille, la face brille, scintille, rayonne, étincelle. Malheureusement, le revers est sombre. Bec et homme, ma jeune sœur, battez-vous pour ne voir que la face et pour se faire avec l'homme masculin, soyez patiente et soyez tolérante. J'ai parlé de la belle-mère et des belles-sœurs, j'ai pas dit d'aller chasser la mode Ringo ou les sisters Ringo. Je voulais que vous sachiez que désormais, de façon officielle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, vous devenez la mère de votre belle-mère, la mère de toutes vos belles-sœurs, bref, la mère de la famille. Je vais donc vous remettre exceptionnellement ces deux documents. Conformément à la loi qui a dit que je devais les remettre, mais vous savez, dans la vie, il y a la règle, il y a aussi l'exception. Mon jeune frère, Dieu Tout-Puissant a voulu que je parte de mon oubli natal, après même un oubli, le ventre vide pour venir signer l'acte de mariage. J'espère que Dieu Tout-Puissant me permettra dans un avenir pas très lointain, mais cette fois-là, non seulement je ne serai pas angry ou hongri, puisque le ventre sera plein, il me permettra de signer un autre acte. Un acte de naissance. Ah. Toutes mes félicitations. Je fais donc une première pause avec les deux mariés, une deuxième, les deux mariés et les quatre. C'est prêt ? Ouais, c'est fini, c'est là.
C'est bon.
Le peuple
Dieu qui nous souhaite encore la bienvenue ce soir. Allez, applaudis très très fort. Tout le monde assis, sauf le mari. Avec sa magnifique sourire, elle reflète une altesse, une comtesse, une duchesse, une déesse. À côté d'elle, son prince bien-aimé. Il est très élégant. Le marié, il est du village. Ancona, Ancona. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Excellence, on est là-bas. Vous êtes en compagnie de Didier Oliver. Attention, ça va décoller. Et maintenant, nous devons la puissance. Et sans perdre de temps, on enchaîne rapidement. Elle est divinement belle ce soir. Et tu arrêtes, pourquoi tu as fini comme ça? Avec une image magnifique. Bonsoir, maman. But Lord, you made it possible that this couple should be united today. Father, we render glory. Father, we render honor, adoration unto your name. Because when you say yes, no one can say no. Yes. And when you open the doors, no one can close it. Yes. Father, we want to thank you even for the little that they have brought. We pray, may you sanctify it, Lord. Sanctify everyone that will take, oh Lord, that no problem will happen. But instead, Father, that they will feed for it. As they feed from it, Father, they shall be nourished in the name of Jesus. Amen. Lord God, we call on you in this compound. We pray any foul spirits that is found here, we begin to burn them. Yes. We begin to lose any evil plan against the devil upon this couple in the name of Jesus. Amen. Father, we cover them with the blood of Jesus. Blood of Jesus. We cover everyone here with the blood of Jesus. Blood of Jesus. Father, because ça va mettre ta paille. D'accord, on cambie un peu le plan.